Ouba. Ouba. Mes bébés, tous disparus. Quelle catastrophe! On était déjà au bord de la ruine. Alors là... Un cirque sans animaux, c'est comme un truand sans chapeau mou. Ça perd tout son charme. Vous avez raison, monsieur Narboum. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous? Ben, j'arrête de faire le clown. J'ai rempli mon contrat, non? Et l'heure, cher ami. Calvero ne m'a pas encore vendu son cirque. C'est tout comme. Monsieur Narboum, je suis truand, pas clown. Jimmy le dur qu'on m'appelle. Alors vous comprenez, ce costume, ça cadre pas vraiment avec ma réputation. Mais je m'en contrebalance de votre réputation. Ce cirque est le seul de Palombi à ne pas m'appartenir. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Alors, vos états d'âme, votre grand numéro de clown triste, vous l'oubliez. Sinon, c'est votre argent qu'il faudra oublier. Compris? Alors qu'il est, les petits sont peut-être attaqués par des bêtes féroces blessées, débitées en côtelade. Pardon, messieurs. Monsieur Calvero, c'est ici? Attention, cette fois-ci, on ne bouge plus.
Ma chouchou, mes bijoux, mes cailloux. Tout va bien maintenant, pas folle là. Je l'avais dit, on ne bouge plus. Nous disons donc des dizaines de voitures endommagées. 20 policiers à l'hôpital. L'avenue principale de Chiquito complètement dévastée. Ça nous fait une caution de 2000 slodeons, payable en une fois sans frais. La maison ne fait pas crédit. 2000 slodeons? Mais vous êtes un voleur! Policier, monsieur, pas voleur. Faut pas confondre. Monsieur Calvero, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Et attendez, et celui-là, il n'est pas avec vous. Ouba! Bon, bah, t'as qu'à venir avec nous. Ouba! K.O. debout. Moi, j'ai mille durs. Heureusement, sans ces saletés de bestioles, ce fichu cirque ne va plus tenir très longtemps. Ouba! Quel animal étrange! C'est peut-être la nouvelle attraction qui sauvera le cirque. Ouba! Monsieur Narboum, votre job, c'est pas pour moi. Tant pis pour l'argent. J'abandonne. Dommage. Un si bon clown. C'est quoi ça? Des photos souvenirs. Les journaux de Chiquito se les arrachent déjà. Vous pensez? Jimmy Ledour, la terreur de Chiquito. Vous allez pas faire ça. Oh, je vais me gêner. Public, je vous demande d'applaudir chaleureusement un nouveau numéro spectaculaire du jamais vu depuis Guillaume Tell. Tu as compris, hein? Tu ne bouges pas. Non, mon petit, tu ne dois pas manger la pomme. Ouba! La suite! Allez, on se dépêche! Il n'y a rien à faire, il est indomptable. Ouba! Mais quelle mouche t'a piqué? Mais calme-toi! Retourne sur ton... Ton heure est arrivée, maudit animal! Ouba! 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 Ouba!
c'est à toi. Bonne chance. Jimmy, envoie-moi les keys, s'il te plaît. La piste aux étoiles qu'ils appellent ça. Eh ben moi, je vais leur en donner des étoiles. Ouba, ouba. À notre nouvelle recrue, la recette de ce soir va permettre à notre cirque de survivre plus longtemps que prévu. Formidable. Mon Dieu, l'argent! Il s'est envolé, évaporé. À moi, au voleur! C'est un désastre. Sans cet argent, je n'ai plus de quoi faire vivre le cirque. Ne vous fâchez pas trop, mais je vous le donne de bon cœur. Bon. Je vous remercie, mes amis. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Oh. De nous vendre son cirque. Les photos? Plus tard, pas de temps à perdre. Car le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est important. Voilà. Ça devrait suffire pour acheter ce petit cirque minable. Mon argent! Mon argent! Attrapez ce fou furieux! C'est un or! Vous dites
bête adorable. Quelle petite bête adorable. Là, il est passé par là. On ne passe pas. Entrée réservée aux artistes. Et où est ta roulotte? Marre de ce costume. Cessez de gêner. Et suivez-moi. Où est-il passé? Bon sang! De labeur, de coups tordus, de larcins, d'escroqueries en tout genre, réduites en fumée. Si vous remettez les pieds à Chiquito... Mais... il y a une autre proposition à vous faire. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui vient de se passer? Ouba! Salaud! T'es un petit gars épatant. Tu es sûr de ne pas vouloir rester? Ouba! Bye bye!
Si on s'arrête tout le temps, on va pas arriver avant ce soir. Et si je ne remets pas de l'eau dans le radiateur, on n'arrivera jamais. Tu préfères ça? Bi. Thank you.
alibi? Bibi? C'est calme aujourd'hui. Pas un temps pour les marsupilamis, ça. Hein? Ah, c'est quoi ça? Un camion. M'en fiche, moi, des camions. Ce que je cherche, c'est... le marsupilami. Le marsupilami, 1000 cartouches. Vite! Il faut vraiment que je pense à mettre l'échelle de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il a à courir après ce camion? De toute façon, il ne rattrapera pas ton camion, mon petit père. Je te tiens. Je te tiens. Encore raté. Si seulement je savais où va ce camion. Oh! Je crois que je sais. C'est là-bas que je vais le retrouver. Ouais. Chiquitolab. Le parc d'attractions le plus prestigieux de tout le continent. Je suppose que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire, Contreras. Il nous faut ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines. Mais je vous assure, Don Pedro, Raoul est l'animal le plus terrifiant de toute la Palombie. Monstre qui n'intéresse plus personne. Oui, mais ce n'est qu'une mauvaise passe, Don Pedro. Les gens vont revenir. Ah, et t'as vu, c'est Raoul. On y va? Oh non, vos marionnettes, ça fait plus peur. Terrifiant, hein? Allez, voilà. Salut, Raoul! C'est parce que c'est l'heure de la sieste. Mais normalement, vous le verriez, il est épouvantable. Monstrueux, terrifiant. Bouh! M'y vois. Bon, pas la peine d'en rajouter. Je crois. Écoute-moi bien, Gonzalez. Mmh. Tu as des jours pour trouver autre chose. Sinon... Tout dégage! Ouba. Vous voilà enfin. Vous avez rempli les papiers. Toi, viens avec moi. Et toi, tout décharge. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon pauvre Raoul? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je t'en supplie, fais un effort, essaie de faire peur. C'est ça,
Je me débrouille tout seul, quoi. Eh bien, je vais trouver la solution. Et pour toi, il y en a une aussi. Les maroquiniers. C'est pas possible. Des bébés marsupilamis. Et moi qui croyais que ça n'existait pas. C'est un don du ciel. La voilà ma nouvelle attraction. Trois bébés marsupilamis. Si j'arrive à les attraper, je serai le roi des Chiquitoland. Au prochain tour, ils sont à moi. Attention. Excusez-moi, c'est tout malentendu. Caramba, raté. Ouba. Maman, je vois un ballon comme ça. Chérie, on est trop haut, je ne regarde pas. Mais voyons, écoute, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Où ils sont? Où ils sont? Les voilà. Bravo, Joséphine. Tu as bien travaillé, tu as bien droit à une petite sardine. Mais la deuxième, il faut aller la chercher. Ouba ! Ouba ! Bravo les otaries. Et maintenant, j'invite tout le monde à rejoindre le château fort où le grand spectacle médiéval va commencer dans 5 minutes. Ouba ! Comment on s'en retrouve, hein? Oh, elle fait pas le malin. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Regarde. Pas mal, hein? Mon gaz soporifique. Maintenant, à ton tour. Ouba! Allez, un gros dodo. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Là, dans le palais des miroirs. Mais... Ils sont à moi. Impossible de les avoir là-dedans. Je vais les attendre à la sortie. Venez, venez, mes petits. Les voilà. Attention. Où est passé? C'est vous, ça? Vous m'en voulez, c'est ça? Ouba! Mais chérie, je t'assure,
il y avait une énorme bête jaune dans le ciel. Mais oui, une énorme bête jaune, bien sûr. Mais rassure-toi, ici, dans la grande roue, il n'y a aucun danger. Je sens que tu ne me crois pas. Chérie, tu es sûre que tu ne veux pas voir un docteur? Ouba! 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 Et qu'est-ce qui se passe? J'ai bloqué. Faites quelque chose! Ouba! 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 Alors, ça repart! On va rester longtemps comme ça? Cette fois, il est tien. Sont prêtes. Pas la peine. Oubliez Raoul. Y ai trouvé ma nouvelle attraction, l'attraction du siècle. Et c'est ça, ouais. Celle qui va faire ta fortune et ta gloire, hein. Absolument. Ouba! 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 Présente tes remplaçants, espèce de vieil animal tout mou. Tu m'as assez humilié, Raoul. C'est là que nos chemins se séparent. Pour moi, direction la célébrité et la fortune. Pour toi, les maroquiniers. Tu vas être transformé en paire de bottes, Raoul. En agenda, en portefeuille. Je rangerai mes pesos dedans. Ouba! Non, écoutez, il a pas tout expliqué. C'est un affreux malentendu. Ouba! Tu ne t'attendais pas à ça, hein, mon gaillard. Allez, vous, dans le sac. On ne reste pas là. Ne te fatigue pas à gigoter comme ça, marsupilami. C'est un filet en titane que j'ai payé une petite fortune, mais absolument indestructible. Ouba! C'est pas vrai. Il va m'entendre, le marchand. Ouba! Sauvé. Il est aussi. Il est semé. Ouba! Ah!
vous ai eu. Je vous ai eu. C'est le plus beau jour de ma vie. Si tu auras encore envie de rire tout à l'heure quand je t'aurai capturé. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, marsupilami. Parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est mon jour de chance. Toujours aussi adroit, cousin. Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler cousin. Ok, cousin. En route. Le marsupilami nous attend. J'espère que nous ne serons pas en retard. Hee hee.
Ouba. Oh. Oh. Bibillon. Compte jusqu'à 3, à 4. On envoie la pierre au marsupilami. 1, 2. Et attends, attends. On l'envoie quand déjà? À 4, idiot. À 4, idiot. Ok, cousin. 1, 2, 4. Yeah! On fonce! Gelé. C'est le plus beau jour de ma vie. Je veux le voir, vite. Attends. Tu peux y aller. Et 4, il y a 3. Un, 2, 3, 4. Ah oui, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je viens de te l'expliquer. On va vendre le singe aux eaux. Et on revient capturer le marsupilami. Si tu conduis aussi bien que tu comptes, je préfère prendre le volant. Quoi encore? Et ma veste est coincée. Il est pourri, ton camion. En tout cas, avec moi, il ne cale jamais. En avant. Oh.
La pauvre chimpanzé. Elle est comme ça depuis 2 jours. Ouais. Elle ne mange même pas. Je me demande bien où est son petit. Public dans l'exercice de ses fonctions, ça va vous coûter cher. Rends-moi mon képi. Ah, j'ai entendu siffler. Ben non, ça doit être le vent qui est entré dans ta tête par une oreille et qui est ressorti par l'autre. Ah, c'est possible, ça. Ouba, Bibion. Acheter un ticket. Laissez-moi passer. Le directeur m'attend. Ticket. Ne m'obligez pas à être viol. Bonjour. Beau temps pour une visite, n'est-ce pas? Non. Avec toi en voyage, hein, cousin. Monsieur. Ouba! Miam! Mais saute, au lieu de rire bêtement. Qu'est-ce que tu attends? Que c'est haut. Allez, saute, je te rattraperai. Ouba, Bibion. Vite, vite, il est là. Quoi?
Et lâche-moi. Oba, tchou-tchou. Mesdames et messieurs, le zoo va bientôt fermer ses portes. Où tu vas là? Le zoo va fermer, il faut partir. Est-ce que tu te souviens de pourquoi on est là? Je crois que j'ai oublié. Triple idiot! On est ici pour capturer le marsupilami! Alors suis-moi! Maintenant, cousin. Mais ça, pourquoi faire? On va aller nourrir les animaux. Ah bon? Mais je croyais qu'on était là pour capturer le marsupilami. Il y a autre chose que de l'air là-dedans, hein? Maintenant que le zoo est fermé, on se déguise en gardien pour pouvoir se balader incognito. Ah ouais? Mais alors, on ne capture plus le marsupilami. Ah! Ouba, boing! Petit, à table. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as dit qu'il fallait nourrir les animaux. J'ai dit qu'il fallait faire semblant, crétin. Crétin. Thank you.
Tu ne trouves pas ça bizarre, un zoo, il n'y a pas d'animaux dans les cages? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es pas là pour visiter de toute façon. Tu es là pour capturer le marsupilami. Avance au lieu de penser. Ouba! Bibi Ronron! C'est toi qui as dit Ouba? Non. Parce que je ne sais pas comment dire Ouba. Alors c'est le marsupilami. Prends ça et suis-moi. Bibi Ronron! Maman! Cette fois, marsupilami, je te tiens! Dès que je l'ai assommé, tu l'attaches avec le tuyau! Tu sais, cousin, j'ai trouvé ça bizarre, toutes ces cages vides. Ouais? Et alors? Eh ben maintenant, je sais où sont passés les animaux. On s'en fiche, c'est pas notre problème. Si tu veux mon avis, ça risque de devenir notre problème. C'est maintenant que tu me préviens. C'est maintenant que tu m'écoutes, cousin. Bye-bye. Ça dort longtemps, un lion? J'espère. Et ça mange quoi au petit déjeuner?